Hey, salut, c'est Mamax, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais te poser une question comme d'habitude, tu le sais. On m'a fait remarquer que parfois mes questions étaient ou trop simples ou trop complexes. Donc je vais vraiment réexpliquer un petit peu le concept. Le concept, c'est vraiment par des questions assez simples. De réfléchir en fait, de faire une petite réflexion, ça peut être une réflexion courte ou plus longue, ça dépend de toi. Moi, mon but, c'est tout simplement juste de te faire réfléchir sur une petite question donnée. Ton cerveau, il réfléchit vite fait à ça, et au final, le fait que tu réfléchisses le matin, je te l'ai dit, moi j'ai constaté ça, si tu réfléchis dès le matin, et ben en fait, tu es plus ou moins opérationnel pour toute la journée. C'est-à-dire que tu as commencé à réfléchir sur quelque chose, bah ton cerveau tout de suite il a démarré quoi. Donc c'est vraiment ça le concept. Donc je te l'explique encore une fois, il n'y a pas vraiment besoin de faire un énorme débat là-dessus, mais réfléchis juste, va un tout petit peu plus loin que la question simple et réfléchis. Alors la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que tu es plutôt à persister ou à abandonner? Alors vous me direz, le choix il est peut-être vite fait. On sait très bien si on est plus du genre à abandonner ou à persister. Mais comme je te l'ai dit, moi je veux aller un tout petit peu plus loin, te faire réfléchir un tout petit peu plus. Moi je veux savoir si tu acceptes ce choix. Est-ce que le choix que tu as choisi d'être ou plus persévérant ou plus dans l'abandon, est-ce que c'est un choix qui te convient? Est-ce que ça te convient d'être quelqu'un qui est plus dans l'abandon, une fois qu'il a fait quelque chose, qu'il est sur une action, etc., s'il voit que il commence à ne pas y arriver, etc., est-ce que tu es plutôt à fuir, à abandonner? Et est-ce que ça te convient? Si ça te convient, c'est très bien. Mais si ça ne te convient pas, c'est qu'au final, il faut une remise en question en fin de compte. Il faut que tu te dises pourquoi. Pourquoi je suis plus du genre à abandonner plutôt qu'à persévérer? A contrario, à ceux qui sont plus à persévérer, est-ce que vous acceptez ça aussi? Est-ce que vous êtes en accord avec ça, avec vous-même, sur le fait de toujours persévérer? Moi, je sais que j'ai les deux, c'est-à-dire que j'ai une part une part d'abandon et j'ai aussi une part qui est toujours dans la persévérance. Et je sais que je suis plus persévérant que dans l'abandon en fait. Donc ça je le sais, c'est facile à savoir j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas non plus que vous soyez... Je sais pas, il faut pas que vous soyez... Bref, il ne faut pas être dans les extrêmes limites en fait. Il faut un petit ratio entre les deux quoi. Moi je sais que... Pour imaginer comme ça, je suis plus à 70% persévérance et 30% abandon. Parce qu'en fait, si on est trop dans l'extrême limite, c'est pas bon en fait. Si on est, par exemple, je dirais à 100% dans la persévérance, on appelle plus ça de la persévérance, mais de l'obstination. Voilà, c'est-à-dire qu'au final, on va plus persévérer dans une tâche pour... avoir de résultats, mais on va être obstiné à faire toujours la même chose, peu importe les résultats. Voilà, ça c'est l'extrême limite. Et pareil pour l'abandon, toujours lâcher prise en fait. Compte, c'est pas forcément bon. Donc voilà, c'était tout simplement ça que je voulais te faire partager. Réfléchis à ça et si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite surtout pas à le mettre dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne si ça te plaît et on se dit à demain dans la prochaine épisode de la Minute du Jour. Passe une très bonne journée, ciao ciao.